Salut les terriens et bienvenue sur ce tout premier Flash Info du journal de la Starbase, un nouveau format avec des vidéos très courtes pour vous tenir informés à tout moment des dernières avancées du programme Starship au Texas. Puisqu'on parle d'avancées, ça tombe bien parce que SpaceX a passé avec succès un test d'envergure hier soir. Vous l'aurez compris, il s'agit du Wet Dress Rehearsal, un test qui consiste à remplir les réservoirs des deux étages pour procéder à la vérification de toutes les étapes qui précèdent un décollage, c'est-à-dire que l'essai s'arrête avant le terme du compte à rebours et donc juste avant l'allumage des moteurs. Bon, je ne vous cache pas que c'était un test qu'on attendait avec plus ou moins de stress, car les deux étages remplis d'ergol, c'est l'équivalent de 11 Boeing 747 qu'on aurait empilés les uns sur les autres sur la table orbitale. Et oui, tout de même, hein. Mais heureusement, le Stage Zero a tenu bon, même si à un moment donné, on s'est fait une petite frayeur, avec notamment, comme vous pouvez le voir très clairement sur ces images de NASA Space Flight, d'impressionnants panaches de méthane recrachés par le booster. Ça semble ici avoir été voulu par l'entreprise, et ça a marqué la fin de la phase de remplissage des réservoirs. Alors oui, c'est une étape décisive qui vient d'être franchie par SpaceX, d'abord parce que c'est la toute première fois que l'entreprise arrive à cette phase de test, et ensuite parce que ça sent bon le prochain tir statique du B7 avec cette fois les 33 moteurs impliqués, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on en reparle demain dans la vidéo habituelle du journal de la Starbase, et en attendant, eh bien, n'oubliez pas le pouce en l'air et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore.